Télévision nationale d'Haïti en direct. Nous vous rappelons que jeudi, c'est 17 octobre 2020, et 17 octobre 1806, ça fait déjà 214 l'année et depuis que l'empereur, le premier président de la nation, ça a été gagné. On a parlé de Jean-Jacques Dessalines qui était venu l'empereur et Jacques Ier. Donc, ça fait 214 l'année depuis sous Pont Rouge. Et monsieur ça, grand héros, indépendant ça lui-même, il était tombé. Et depuis là, ça, nous pas jamais suspendre, commémorer date ça, une façon bien méritée pour nous rendre un hommage. Un hommage pour tout ça qui fait, parce que l'aime connaît que. Et patap ka gen 1804 si pat gen présence, si pat gen implication, si pat gen leadership de grand homme ça que les gens qui lui-même li te prend tête force à main indigène nan pour te capable mener tout combat qui te cap conduit jusqu'à proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Et depuis 1er janvier 1804 là, lui c'était premier président qui était gagné dans nouvelle nation ça qui est Haïti. Jodi a la, nous son façon bien particulière pour nous commémorer, pour nous rendre hommage bien mérité à grand héros indépendant ça. N'a parlé de Jean-Jacques Dessalines, premier empereur, Jacques Ier, premier président qui gagne la nation. Donc jodi a la, monsieur ça nous connaît qui était tombé dans Pont Rouge 17 octobre 1806, c'est bien. Jodi a la son façon bien méritée. Et pour lui rendre hommage côté président de la République là, accompagné de première dame nan et premier ministre nan, avec plusieurs membres dans le cabinet ministériel là qui présent dans Mupana pour venir faire sanrele offrande florale là côté. Yo vinn déposer un jet fleur par la même occasion, il y a bien pour signer dans livre d'or, livre ça à côté chaque fois gen cérémonie officielle, yo gen occasion et historique ça yo côté autorité officielle yo dans gouvernement yo même dans l'état yo même yo signé. Et en façon c'est une tradition pour rendre hommage dans façon pa yo avec héros indépendance ça on connaît Mupana qui c'est musée panthéon national dans pays d'Haïti. C'est musée ça qui caché, qui serré pour nous, qui mettait yon côté un bon parti dans tranche l'histoire nous pour aider nous, pour rappeler nous, pour aider nous comprendre qui ça l'histoire est. Donc je dis à la et deux branches, deux têtes dans l'exécutif là, et yo présent, et chef police là présent, et gen pilote officiel qui présent tout dans occasion je nous dis là pour yo capable rendre hommage ça à et fondateur nation hein, papa nation hein, Jean-Aurémédil là qui c'est Jean-Jacques Dessalines qui lui-même
li te bay la ville, li te dédié la ville pour te créer nation ça et li te dédié la ville tout pour te capable faire reconnaître que désormais premier pays qui te gen nèg qui te gen esclave te prend indépendance ici pays d'Haïti et depuis lors et le 17 octobre 1806 jeune connait là mon plusieurs monde qui pas trop fin d'accord ensemble avec elle qui est arrivé assassiné sous pont rouge et là depuis plusieurs décennies là date ça a été une date significative dans l'histoire pays d'Haïti côté chaque 17 octobre son journée côté en pile monde a réfléchi par rapport à ça relé idéal monsieur ça te gagne on a parlé de l'idéal de Saline parce que son monsieur qui te gagne en pile bagalité en vie fait il te tracé en pile grande ligne pour te capable après l'indépendance pour te aider pays ça prend cap li aller sous base développement tout bon mais jeune connait là malheureusement et aventure l'histoire t'a pral camper pour Jean-Jacques Dessalines à partir de 17 octobre 1806 côté moun yo pa identifié té meté yon bout dans la vie citoyen ça dans la vie premier président premier empereur que nous té gagné dans l'histoire nouvelle nation ça qui té fait créer le 1er janvier 1804 l'on connaît que et gan pile l'autre date assez historique dans affaire n'a parlé d'Haïti n'a prend pile gros date surtout date qui gagne rapport avec guerre qui té mené à indépendance donc c'est des dates qui assez fort qui assez historique pour le monde entier, c'est pas seulement pour haïtiens mais l'on parlait de Jean-Jacques Dessalines, les a regardé stratégie de combat, toute saleté qu'on a utilisé stratégie, méthode etc. c'est des bagages qui m'ont en pile réflexion, qui m'ont en pile étude et les nations ça t'est fin créer tout par rapport à saleté gain comme politique pour t'arriver conduit pays ça sur route développement. Donc c'est tout ça aussi des sujets d'étude, c'est des et c'est des cas que en pile monde envie comprendre envie à regarder est-ce que jodi a yo d'application toujours par rapport à toute ça te gain comme l'idée comme objectif que te bay tête li mais j'en connais là 17 octobre 1806 et la vie et empereur la vie papa nanchon lui même il t'a pral prendre bout et à partir de 17 octobre 1806 et là on connaît depuis lors là jusqu'à jodi a là nous pas suspendre commémorer date ça parce que c'est une façon assez spéciale une façon bien méritée pour nous rendre li hommage pour nous rendre li tout ça mérité comme honneur et mérite parce que li te travail pour ça li te goumé pour ça pour jodi a là tout monde quelque toute génération de il a parlé de grands citoyens ça il a parlé de grands personnages ça il a parlé de grands héros indépendants ça qui c'est Jean-Jacques Dessalines papa nation c'est assassinat papa nation ça veut dire c'est ton jour même Jean avec jodi que bon groupe monde qui a un problème avec Jean Jean-Jacques Dessalines te démarré pays monsieur met ensemble assassiné jodi on pense que Jean nous dit li c'est pour une journée fête son journée de réflexion son journée de deuil parce que pratique ça yo pas suspendre dans pays et c'est pour ça n'a goumen pour permettre que Haïti nous réveille pour pratique ça pour suspendre pour que bien-être collectif là c'est pour lui bataille la fête même Jean bataille a fait dans affaire énergie dans affaire route dans affaire de l'eau c'est bataille ça nous demander et c'est pour ça nous demander la paix nous demander l'entente nous demander l'union parce que tout le monde que ou dans l'opposition que ou dans parti au pouvoir jodi a génération future y a tant nous bail dans main nous et ça y a tant dans main nous y a tant yon changement et changement li kapote nan réforme ka fait ak moun ki vle moun ki kapab c'est réforme ça aujourd'hui a c'est li génération future a tann nan men nou et c'est pour ça n'ap travay. Merci. C'était un message que mes président li t'a lancé nan okasyon 17 octobre là nous connaît que traditionnellement son offrande florale après offrande florale là toujours président toujours un message que lancé
et bien avant que li quitte espace Mupana, j'en connais là, jodi a son journée, li répéter encore, son journée de réflexion, son journée côté chaque haïtien ta doué a regarder, a réfléchi sous l'idée de Saline de gagner yo, sous objectif li te offri, li te bay tête li. Donc jodi a là, j'en connais là, télévision nationale d'Haïti comme toujours nous bay tête nous ça comme obligation pour Edo connait ça qu'a fait dans pays a. Et encore une fois, donc je dis encore une fois là président qui vient à fin déposer Jeb Fleur là il saute parler et là n'attendait et sonria. Voilà, nous sommes des Fofa Ballet National là lui-même qui t'a joué et là c'est nous capable dire que là nous arrivons dans dernier moment dans cérémonie ça et côté que président de la République là accompagné de premier ministre et même et membre cabinet ministériel yo plusieurs autres monde dans administration publique là yo te vinn rendre hommage bien mérité ça dans occasion et journée commémoration 214 l'année et la mort et Papa Nachon n'a fait référence à Jean-Jacques Dessalines qui jodi a été venir rendre hommage bien mérité et comme d'habitude télévision nationale d'Haïti toujours bay tête obligation ça pour de vivre chaque moment fort dans histoire pays a chaque activité chaque grain événement qui a passé qui a rapport avec haïtien donc télévision nationale d'Haïti toujours là pour de vivre donc c'était en direct depuis Mupana. Et toute une équipe est mobilisée pour comprendre la journée, ça qu'a fait pendant la journée. Et là, journée, nous connaissons journée, son journée de réflexion, Jean-Président de la République l'a dit, côté pour nous réfléchir, garder qui genre, qui côté nous parler avec le pays, et qui genre n'a réfléchi sur le développement et le pays, comment on a sorti le pays dans la crise économique. Donc, je dis encore une fois, inviter tout petit pays, quel que soit côté, pour mettre tête ensemble. Pour capable réfléchir sur le développement pays d'Haïti, je ne connais là. Donc jeudi à 17 octobre 2020, 17 octobre 1806, 214 années depuis Papa Nachon est mort. Télévision nationale d'Haïti, nous, toute une équipe est mobilisée pour de vivre et événement ça, activité ça pendant la journée. Nous remercions pour fidélité avec attention.